Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la plateforme sur l'épisode de Mad Max. Donc, chers amis, dans cet épisode, nous allons aller faire les quelques points là d'observation, enfin de rencontre. Peut-être aller se faire aussi une ferraille, et on va s'attaquer ensuite à ça. Je pense qu'on va se faire les trois rapidement là, et qu'on va s'attaquer ensuite au campement. Parce qu'il m'intrigue, il est bleu sur la carte, je ne comprends pas. Alors, allons-y. Juste pour la forme. Allez. Oh bah dis donc. Mais ça se trouve, parce que comme il dit ça, c'est chiant parce que j'ai l'impression que je me dis que va y avoir une ou deux qui vont contenir une relique ou n'importe quoi. Et je me sens con de le penser. Putain. Allons-y. Olé. Tout à fait. Ça par contre, je suis d'accord avec toi. Puisse notre heure ne jamais venir. On a fait du deux roues, l'espace d'un instant. Viens par là. Qu'est-ce que je lui ai arraché? Ah, une roue, c'est con. Bonjour. Retente ta chance. Allez, retente ta chance. C'est con, hein. Ah bah, ça tombe bien, t'es mon 120ème. T'avais un truc sur toi? Non, que pouic. Tant pis pour ta gueule. Magouilleur, niveau 7. On avance, chers amis, on progresse. Alors. Ah, j'aurais dû prendre le gun et lui tirer dessus. Ça aurait été tellement plus classe. Alors. Juste ici. Boum. Bah venez les mecs. Ah c'est bon, il descend. Je pensais qu'il allait pas descendre. Bon alors. Dommage. Oh raté. Voilà. Raté. Oh, crac. Viens par là, l'ami. Crac. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Faut que je pense à utiliser plus souvent le gun. J'ai plein de munitions, j'utilise pas assez souvent. Voilà. Allez, voilà. Boum. Tiens, bouffe. Boum. Boum. Bon, il s'est passé quoi? Parce que dans le feu de l'action, j'ai rien compris. Hop, mène-toi de réparer la bagnole. Moi, je vais aller chercher les pièces. Là. Voilà. Tout ça pour 6 plus 1, c'est rien du tout. Ça vaut même pas le coup que je m'arrête, non. Mais j'imagine qu'il y a un quelconque défi
récupérer 600 fois de la ferraille, 8 336 fois de la ferraille sur une voiture ennemie que vous avez vous-même détruite et par un choc frontal. Alors que vous n'étiez pas dans le véhicule et que le chien pissait à l'arrière. C'est l'absurdité de certains défis de certains jeux. What? La physique de jeu qui s'est littéralement pissé dessus. Je crois que j'ai vu un reflet. Ah, il a vu un snipe. Oui, effectivement, il en avait un. Et emmène-moi au bon endroit, parce que la dernière fois qu'on m'emmenait dans un truc comme ça, c'était pour me planter. Oh là là. Vous êtes qui, vous? Je parle pas de vous avoir déjà vu. Non, tu ne mourras pas. T'as pas l'air con maintenant. Et là, tu l'as l'air con. Non, mais oh. Alors, prendre le butin. 9 de ferraille, rien du tout. Pouah. Une pièce de ferraille. Oh la gueule. Tellement radin. Alors, ça, c'est une quête, chers amis. Bonjour. The one who spewed destructo on the Red Eye graveyard? See? I got me some peepers. I spotted your car and knew. If you want to stick it to the mummy some more, then help us out rooting them out. We need some help with the goddamn explosives. D'accord, c'est intéressant. Détruis toutes les tanières de vautours dans le désert blanc pour réduire le nombre de leurs attaques. Un jeton de Griffa. Tanière de vautours. Le désert blanc. Tanière de vautours. Bon, je sais pas ce que c'est. On trouvera bien. Ah si, il y en a une là. Ah, ça peut être intéressant. Bon, on va se faire l'information. Et après, on ira peut-être... Non, 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 on ira directement au truc. Amène la bagnole. Me roule pas dessus. Putain. Sac à merde. Bon. Voilà, ça c'est fait. Non, tombe pas. Tombe pas. Fais comme les chevaux de Skyrim. T'en as plein sous le capot des chevaux. Oh putain, elle colle. Vais-je y arriver? Ah, elle remonte, hein, c'est certain. Je croyais qu'il allait sortir dans le bon côté. Eh ben non. Bon, bah c'est cool. Tiens, c'est nouveau comme fond ça. Mais c'est Petroville. Bon, bah c'est cool, merci. Merci le jeu. Je me suis dit qu'il allait sortir par le haut comme il l'avait déjà fait, vous savez, quand il avait eu une voiture d'un côté. Mais bon, apparemment ce n'est pas le cas. Ferme là, ça vaut mieux. Moi je me rends là et on y va. En plus il nous a fait le plein, c'est parfait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. If you're looking to gain the favor of the gods, you can always do a death run. The crow dazzle. On verra bien. Bon, si t'avais un tremplin sous les. Sous ta manche, dans ta manche. Ton manteau, tu n'as pas de manteau, tu n'as pas de manche. Bon, c'est pas grave. Dans ton slip, peut-être. Alors, dommage que ce soit à gauche, il y a un tremplin juste là. Oula. Boum. Boum.
Aïe. Raté. Boum. Boum. T'inquiète pas, elle ira pas loin. Ah, il s'enfuit. Hein. Bon bah, enfuis-toi autant que tu peux. Hein. Écoute. Hop. Prépare la bagnole. C'est marrant qu'il soit bleu le truc. Ça m'intrigue. Peut-être que c'est un rapport. Non. Non, je sais pas. Les bleus, normalement, c'est des trucs de quête secondaire, c'est ça. Et les petits points bleus. Mais je crois même pas que ce soit le même bleu exactement. Serais-je déjà passé par là? Alors, allons-y. Ah oui, celui avec l'avion en plus, c'est cool. Alors, il y a le sniper aussi. Où est-ce qu'il est pour me tirer dessus par contre? Après tout, s'il y a un sniper, on va pas s'embêter, on va le tirer. Voilà. Allons-y. Désolé, toi tu viens avec moi. Voilà. On va y aller à pied. Sit tight. Yes, gladly. It is my sacred place. Pas d'infos récupérées. Ah bon? Ah bah non, je les ai pas eu du coup. Bah non, on va laisser les faire les infos. Je suis désolé, chers amis. Mais les infos, on va laisser les faire. Là, je. Je fais les choses dans l'ordre, je veux dire, si je peux pas faire, par exemple, vous voyez, imaginons, je fais le truc, l'info disparaît, et qu'il y avait par exemple un succès, avoir tant d'informations sur les trucs, je l'aurais dans le cul. Et j'aime pas ça, l'avoir dans le cul. Ah, puis il est juste là, lui. Bon, bah tant pis, l'épisode sera plus long que d'habitude, écoutez. Eh. Hey. Fuck you, bitches, hein. Alors. Salut. Tu es une femme, je crois. J'espère. Oui. Before you let fly your deadly lead, let me say, I wish to thank you. Ah. You've rid this place of the roadkill thrall rustlers. A token. Let me show you this lovely little land of loot. Ok, merci. Pourquoi tu fais ça en t'accroupissant et en écartant les cuisses? Cependant. Paramètres. Dialogue, je suis à fond, quoi. Ah si. Ok, voilà. On va mettre un peu plus dans les cinématiques et que on va bien voir. Alors, qu'est-ce que tu m'as montré? Ah oui, qu'il y a un butin, là. Trouver la cache. Ok, pourquoi pas. Pendant nous, on va aller là. On va aller prendre l'info et on va aller se faire le camp. Parce que depuis le temps qui nous attend... Donc apparemment, là où c'est noir, c'est là où j'aurai le plus d'accélération. Alors. Je me dis, il faut que je grimpe par là. Alors. Ok, bonjour l'ami.
Belle voiture, n'est-ce pas? Je savais qu'elle te plairait. See that? They say the husk lying there fell from the sky. The mad lord Scrotus has ordered his sick pups to set up their camp there. I know they've a hidden treasure just around the wing. Intéressant. Défense permet légère et pas de portail. Élément de projet dans la zone supérieure. Info notée dans le journal. Allons-y. Hop là, ça c'est fait. Gain de temps, chers amis. Des fois, passer par la route, c'est beaucoup trop long. Hop. Allez, on y va. Oh. Ah, c'était cool ça, pourtant. Oh, j'aime bien. Vous voyez? Ça, c'est le genre de chose que j'aime beaucoup. Non, toi t'as rien du tout, toi. Bon, je vous attends, les mecs. Raté. On retente ta chance. Ah. Ah, mais. Voilà, merci. Boum. Et deux, un. Au suivant. Désolé, toi qui paye. Boum! On prendra. Et on va à ta jambe! Voilà. Voilà, j'ai fini ton genou. Désolé. Ah non, c'est le tibia, je crois, là. Pour que ça prenne ce genre d'angle, ça peut être que soit le genou, soit le tibia. Alors, on a plein de choses ici à prendre, on a une pièce, deux trucs, une relique, deux emblèmes et six ferrailles. Bon, alors on va commencer par les endroits où on n'est pas censé aller au début. Et on a bien fait. On a un emblème et un de ferraille. Ça c'est cool. Voilà. Excusez-moi. J'ai un peu mal à la gorge ces derniers jours, on a un temps de merde par chez nous. Alors, si vous saviez à quel point un temps de merde. Mes chers amis. Hop, je récupère la balle que j'ai gaspillée. Même pas. Deux balles de snipe. Ah oui, c'était le fameux sniper, justement. Et donc là, il me fait descendre ici. D'accord, donc inintéressant. On remonte. Ah, c'est mes bottes qui font ce bruit-là. Bah putain. Oh, je comprenais pas ce que c'était. Guerrier 4 sur 12. Oh, d'accord, ils ont des guerriers. Ah, sûrement ceux qui ont la face violette. Je pense que ça doit être ça. C'est pour ça qu'ils sont symbolisés, entre guillemets. Ceux qui sont notifiés. Ici, on a du pétrole. Oui, parce que j'imagine qu'il y en a une des portes, c'est par explosion. Porte qui explosion. Voilà. Oh. Lâchez. Allez, ouvre. Ah oui, c'est vrai. Mince. Il va pas y arriver, le pot. Boum. On mange un coup. Dinky D. Merci. Rien d'autre, vous me direz, c'est déjà pas mal. Alors là, on arrive dans la prochaine zone et là, on arrive dans une espèce de grotte. Bon, on verra bien. Hop. Voilà, c'était pour le fun. Un. Et deux. Et trois, chers amis. Oh, le pauvre. Boum! Oh le pauvre! Il a pris tellement cher. Tout ça pour arriver exactement au même endroit, chers amis. Je suis un peu déçu.
Alors, une arme, non. Par contre, on va remplir un petit peu notre gourde. Oh, regardez, le poing américain, il est fait avec des clés à molette. Des clés, tout simplement. Ouh là là, pourquoi je parle de clés à molette? Parce que je regardais sûrement ailleurs. Oh, la relique. Alors. Pour tous les défenseurs de la justice qui viennent encore ici, on nous abandonne, les flics dégustent. Rendez-vous à l'endroit violé. Ils ont peut-être tué nos lois, mais pas notre esprit. Justice sera faite, puissent les eaux revenir un jour. Puissent les eaux revenir un jour. Vache. C'est chaud de se dire ça. Qu'un jour il ne pleuvra plus. Alors ça c'est fort. Ah non, il y a bien de la tôle, pardon, non c'est moi. J'allais dire que la peinture volait, mais non. Non, non, le jeu a su rester cohérent. C'était bien de la tôle. Cool. On est sur l'aile, justement. Qu'est-ce qu'il nous a dit, l'autre trou du cul? Info disponible dans le journal. Putain, journal. Pause. Mission l'état, désolé. Non, rencontre. Rencontre info. Élément de projet dans la zone supérieure. Ah bon. Bon. Ah, c'est devenu bleu, c'est plus violet. Qu'est-ce qui se passe? Hello! Bonjour. Bonjour. Désolé. Boum! Aïe! Raté. Raté. Bien sûr, je parle de moi qui rate, hein. Boum! D'accord, ils esquivent en plus. Là, autre chose. Hop, les... Boum! 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 Et au revoir à ton bras! Crac! Boum, ça t'apprendra! Voilà, on va jouer un petit peu plus avec le gun, je l'avais dit. J'avais dit que je le ferais, j'avais dit que j'en avais envie. Autant le faire. Éliminer la légion de scorbut. Le scorbut, quelle maladie à la con. N'allez pas voir ça sur Google. Alors, il nous manque un emblème, un de ferraille et un élément de projet. Donc, il doit tous se retrouver en fait ici, à mon avis. Menace réduite. De beaucoup? Ah, sympa! L'élément de projet est ici. Élevage asticot, il en faut 4. Il faut 4 asticots pour avoir un élevage. Sinon, ça fait des asticots consanguins. Des asticots consanguins. Ou cons, ça dépend comment on veut. Un poil trop loin, j'ai pas envie de gaspiller mon coup. Apparemment la ferraille n'est pas là, donc y'a rien à faire de ce côté là qui... Voilà. Ah, il va me dire que j'ai fini pour les emblèmes, ouais, trop cool. Décharge finie à 85%. Ah bah non, j'ai tout eu. Ah bon. Je me suis pas rendu compte de la ferraille. Tiens, c'est marrant. Bon bah tant mieux, hein. Écoutez. Bon, une bonne chose de faite. Attention! Yo! C'est vraiment pas fun, il y a vraiment pas de vitesse pour le coup. C'était naze. Allez, marche sur la tente. Hop les. Eh ouais! Hop les. Roulade! Bon, bah, une bonne chose de faite. Bon, bah on n'a plus qu'à se rentrer, je pense, chers amis. Qu'est-ce que vous voulez faire? À moins que si vous voulez... On va aller voir ça. Tant pis. L'épisode sera long. L'épisode sera bon. Je vais en chier à le monter. Je vais en chier à l'uploader, mais c'est pas grave. Je prendrai de l'avance, et puis tant pis, hein.
Oh oh. Oh oh. Oh oh, il va vous arriver un truc. Toi aussi. T'as pas de chance, je vais par là moi en fait. Il va pas faire demi-tour, il a trop peur. Il a trop peur. Dis donc, c'est que c'est... C'est sombre par là. C'est cool. C'est carrément cool en fait. C'est ici. C'est sous terre. Là, oui, effectivement, j'avais pas vu. Oh, c'est intéressant, j'aime. Ah oui, c'est A, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ouh, c'est tout noir. Et d'accord, y'a rien là-dedans du tout. Salut les mecs. Non, raté. 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 Je voudrais, hop, me mettre dans la lumière, s'il vous plaît, les gars. Voilà. Allez, venez. Super parade. J'aimerais faire ça avec le mec qui a l'arme. Raté. Voilà. Bon, toi, tu prends. Allez, bien. Désolé. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Finir bien, finir propre. Il y a peut-être des choses intéressantes là-dedans, parce que je vois le truc est là, mais je sais pas ce que c'est. Activer la bombe. D'accord. Peut-être que je sorte genre en courant, non? D'accord, en fait c'est un gros cul-de-sac quoi. Non, j'ai plus qu'à sortir. Et ça donne... Wow! Ah oui, ça fait des dégâts quand même. On est où? Ah d'accord. Ah d'accord. Bon bah on va rejoindre J, chers amis, puis on y va en roulant pour de vrai. Tant pis, autant faire ça vraiment à fond. Hop, hop, ça tombe bien, regardez. Bim. Pas besoin, oh. Allons-y. Ah, les trucs sympas à faire par là. Là. Bon. Jump Bucket répare la voiture. En plus, on arrive dans une descente, on arrive dans une descente, on arrive dans une descente. Alors, est-ce que ça va le faire? Yes. Yes, voilà un glitch, chers amis. Enfin, un glitch, oui et non. Une astuce, en tout cas. Pouh! Ah, un petit peu de puissance sous le capot, mais on a toujours que notre petit V6, hein. J'aime pas ça. Hein. Franchement, j'aime pas ça, chers amis. J'ai vraiment hâte d'avoir mon V8. Hein. Parce que vous allez... On verra normalement toute la différence. Hein. Je pense que dans le prochain épisode, on va faire de la quête principale, chers amis. Voilà, c'est dit. On ira la faire. Attends, j'ai plus qu'à y penser quand je retournerai. Donc, c'est-à-dire demain. Oh, puis on va se mettre en vue intérieure. Pour le plaisir. Hop, les. Alors, petit avertissement, chers amis, quand même. Vous voyez qu'il secoue beaucoup le volant quand il roule, même en ligne droite. Hop, les. Ah, il se planque. Où est-il? Je le vois plus. Le voilà. Là, allez, tourne. Oh non, je peux pas le toucher de là.
J'ai plus de cartouches. Voilà. On a dû en avoir un bout, le pauvre. Il a plus rien sur sa voiture. Voilà. Allez, viens par là. C'est l'heure de la vengeance. T'as cassé ma voiture, je me casse la tienne. C'est comme ça que ça marche. Pareil pour vous, vous avez pas cassé ma voiture, c'est que je casse la vôtre. Voilà. Salut les gars. Sachez que normalement, donc en vrai, voilà. En vrai, si vous faites les petits mouvements de... Bah, il bouge même plus le volant. Vous avez vu ? Ça y est, il bouge, il le rebouge. Si vous faites tous les petits mouvements qu'il fait, vous savez, là par exemple, là, vous voyez, en vrai, sur de l'asphalte, faut pas le faire. Lui, il le fait dans le sable, parce qu'en fait, le sable, bah, en fait, la densité du sable tire sur les roues, en fait, tout simplement. Mais ne le faites pas en vrai. Ça, là, le petit truc comme ça, là, qui fait tout le temps. Hein. Ah, zut, je vais devoir esquiver la tempête. Wouhou! Vous croyez qu'ils ont eu le temps d'ouvrir la porte? Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!